Bonsoir. Me voici avec un très beau couple entre ancien et ultra-moderne. Et comme vous allez le voir, les deux s'allient à merveille. L'ancien pour commencer, priorité aux vieilles. Il s'agit donc d'une Gibson Talfarlo de 1966. Déjà 66, c'est l'année de revolver, donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis surtout, les Talfarlo, on n'en trouve pas souvent. Les vieilles, qui en plus sont dans un état magnifique et qui sonnent comme celle-là, on en trouve encore plus rarement. La Talfarlo, évidemment, immédiatement reconnaissable par sa petite volute façon mandoline et puis par le fait qu'il y a marqué Talfarlo, tout simplement, sur le bloc du chevalet. Et puis, à l'autre bout du câble, on retrouve un bon vieux Twin. Oui, mais ce n'est pas n'importe quel Twin. C'est ce que Fender vient de sortir et qu'ils appellent un Fender Twin Tone Master. Tone Master, ça sonne comme une énième combinaison des mots que Fender organise dans tous les sens pour obtenir les différents noms de leurs amplis. Mais là, en l'occurrence, Tone Master, c'est le grand pas de Fender dans l'avenir. C'est un Twin sans aucune lampe, purement numérique, avec des haut-parleurs néodymium. Alors là, je vous entends tous hurler et préparer vos fourches pour aller brûler Frankenstein dans son château. En vérité, c'est un vrai Twin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas rajouté d'options dans tous les sens, il ne dit pas papa-maman, les réglages sont exactement les mêmes et surtout la sensation de puissance est exactement la même. Fender a investi énormément dans la recherche là-dessus et ça s'entend. C'est vraiment pas plus compliqué à utiliser qu'un Twin et ça sonne de façon comparable à un Twin pour un rapport de poids qui n'a absolument rien à voir. La preuve. Vous donc qui êtes backliner et qui n'avez plus envie de vous tuer le dos à chaque fois qu'on vous demande un Twin, vous qui jouez dans un groupe et qui en avez marre que personne ne vous aide à soulever votre ampli à la fin du concert, tout ça sous prétexte que vous voulez une bonne plateforme à pédales qui fait un gros son clean, mais que vous n'avez pas envie de vous trimballer un monstre de 40 kg, eh bien voici la réponse. Vous avez un tout petit détail en plus, c'est un atténuateur de puissance à l'arrière, et puis une sortie XLR avec simulation de haut-parleur. J'ai donc choisi de tirer pleinement parti des possibilités du Twin Tone Master en sortant effectivement par le XLR. Évidemment, vous pouvez aussi mettre un micro devant et ça sonnera aussi bien. Mais là, je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire à fond. Et donc voici une guitare de 66 sur un ampli définitivement de 2019. Thank you.